Coucou, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que c'est bon? Dites-moi. Coucou, yes, c'est bon, super. Bon, génial, j'ai eu un peu peur que ça démarre mal, mais c'est bon. Coucou, je vois que vous êtes là, Marianne, Mumu, Émilie, Laurence, Coco. Bonjour Fabienne. Ah, le chien s'incruste. Super, alors je recommence. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Bonjour Patricia, merci beaucoup. Coucou Isa, salut Héloïse. Comment allez-vous tous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Je suis très très heureuse de vous retrouver. Un nouveau live créatif. Huron, s'il te plaît, va voir ailleurs. Le chien s'incruste. Bonjour Sandrine, coucou Ticia. Hello Patricia, bienvenue. Coucou Jocelyne, ah chouette. Coucou Maclem. Bonjour Patricia. Génial, je vois que vous arrivez. Tous et toutes, super. Oh, ma petite Pauline, gros bisous à vous deux. Super. Bien, on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Rachel, bonjour Muriel. Je sens que tout le monde est en forme. C'est magnifique, ça va être sympa. Bonjour Catherine, bienvenue. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne me connaissent pas, je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up! Depuis un an et demi maintenant. Voilà, j'en ai fait donc mon métier principal et j'en suis très heureuse. Et chaque semaine, on se retrouve le mercredi après-midi à 14h pour un live créatif. Voilà, on partage un petit moment, 45 minutes, 1 heure. Et ta girafe a du succès auprès de tout le monde. Ah bah super Pauline, ça me fait plaisir. voilà, 45 minutes, 1 heure de live créatif entre nous. Un petit moment sympa pour créer une carte, un album, une boîte, que sais-je encore. Oui, j'ai les yeux qui piquent. Voilà, et puis on en profite aussi pour découvrir des techniques par exemple. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire une carte chevalet diagonale et puis j'avais envie de jouer un petit peu avec les combos de couleurs. Donc vous avez vu le premier combo sur la présentation du projet et on va travailler avec un second combo de couleurs aujourd'hui. Si, si, Jay, vas-y, t'inquiète, j'ai eu ton message. Bonjour Daniel. donc voilà, un deuxième combo aujourd'hui et puis vous en découvrirez un troisième vendredi. Avant de démarrer donc cette petite création, coucou Nathalie, j'ai trois infos à vous donner. La première, deux sur trois vous avez déjà vu, je pense, depuis le début de semaine. Coucou Corinne, bonjour Isabelle. C'est qui l'incruste? C'est mon chien. Qui a réussi à ouvrir la porte et qui du coup fait son petit tour et du coup m'a laissé la porte ouverte. Bonjour Martine. la première info, vous l'avez vu, je vous l'ai donnée. Coucou Red Sensei, coucou Tonton, bonjour Monique. C'est dès ce soir 23h et seulement pour 24h, Stampin' Up! Vous offre la livraison gratuite pour vos commandes des 40 euros d'achat. Voilà. Donc attention, hein, ça commence ce soir à 23h et ça se termine demain soir minuit. Voilà. Donc ça sera le moment de vous d'en profiter si vous voulez vous faire plaisir. Bonjour Sandrine, coucou Nadine, coucou ma Fabienne. Oh, vous savez quoi? Il y a ma mamie qui est en train de regarder. Il y a mon tonton, mais il y a aussi ma mamie. Coucou mamie. Ça va me faire rougir. Donc voilà, ça c'était la première info. Donc cette fameuse livraison gratuite aujourd'hui 23h jusqu'à demain minuit. Donc on en profite. Oui, il y avait ma petite Clem aussi qui regardait. Coucou Laetitia.
Coucou mamie, coucou tonton, vous voyez, hein, tout le monde vous fait coucou, c'est top. La deuxième info concerne la nouvelle proposition que je vous fais. ça concerne donc, bonjour Carole, comment vas-tu? Ça concerne donc des mini-kits échantillons, uniquement donc nouveaux rubans et nouveaux ornements. Bonjour Kiki Ren. Donc, c'est comme son nom l'indique, un mini kit avec des échantillons de tous les nouveaux rubans et de tous les nouveaux ornements disponibles au catalogue annuel. Voilà. Donc, je vous fais un kit avec voilà, comme son nom l'indique, des échantillons. Voilà. De ces fameux produits. Vous avez tout le détail sur mon blog. Ça va, merci Carole, c'est gentil. Sur mon blog. Et je vous ai mis donc le lien dans la description de la vidéo. Ok? Donc si vous voulez avoir le détail et les infos concernant donc, ces mini kits échantillons, n'hésitez pas à vous rendre sur cet article. Merci mamie. N'hésitez pas à vous rendre sur cet article pour pouvoir en voir donc tout le détail du contenu. D'accord? Et vous avez donc jusqu'au... que je ne dise pas de bêtises. Je regarde en même temps mon calendrier, jusqu'au 2 juillet pour vous inscrire. Ah, oh, Fabienne! Merci Fabienne. voilà, vous avez jusqu'au... Merci. Vous avez jusqu'au... Pouf! J'ai chaud d'un coup. Jusqu'au 2 juillet, donc, pour vous inscrire pour ces mini kits échantillons. Ok, donc vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Et la troisième information, et non des moindres, croyez-moi, vous le savez, nous les démonstrateurs, et démonstrateur, hein, puisque vous le savez, j'ai la chance d'avoir un filleul dans mon équipe. Oui, ma Cathy, c'est ça. c'est que hier soir, nous avons eu le privilège de découvrir le nouveau mini catalogue. Alors, je sais, on est qu'au mois de juin, mais voilà, on est obligé de travailler en amont, vous le savez, tout est question d'organisation et d'anticipation. Donc, le nouveau mini catalogue. Août-décembre. Oui, Muriel, profite bien de tes vacances en Crète. Je vois des magnifiques photos passer. oui, si, si, ma Cathy. Oui, effectivement, nous avons eu, ça y est, le mini-catalogue. Automne, Noël, etc. Et je vous assure, on en a parlé avec les membres de mon équipe hier soir, c'est juste une tuerie, c'est une tuerie. Il est magnifique. Stampin' Up! A encore mis la barre très très haute. Et vous allez voir, vous allez forcément craquer pour ce mini. Il est extraordinaire. Donc, je sais que vous avez envie de l'avoir vous aussi. Jay est amoureux de la page 44. On a eu la page 68 avec Cathy et maintenant on a la page 44 avec Jay. Merci tonton. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Bien, déjà que d'habitude j'ai chaud, mais alors là vous allez en remettre une petite couche, ça va être sympa. Donc pour ce mini catalogue, toutes les personnes qui sont déjà clients avec moi recevront. Oui, Héloïse. Recevront donc leur exemplaire de mini-catalogue courant juillet. D'accord. Je vais essayer de faire les choses assez rapidement et correctement, bien sûr, pour aussi pouvoir passer quelques jours en famille dans l'été. Donc, dès aujourd'hui, à la fin du live, vous aurez à disposition, à la fin de l'article du blog concernant donc le live d'aujourd'hui, vous aurez un formulaire à remplir. Attention, ce formulaire, il n'est à remplir uniquement que par les personnes qui ne sont pas démonstratrices ou démonstrateurs, mais surtout
qui ne sont pas déjà mes clients. Et aussi, bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas déjà de démonstratrice attitrée. D'accord? Donc, pour les personnes qui m'ont passé des commandes depuis le 1er janvier, vous n'avez absolument rien à faire à part peut-être patienter jusqu'à mi-juillet à peu près pour recevoir votre exemplaire. Pour tous les autres, je rappelle, qui n'ont pas de démonstratrice et qui ne sont pas encore mon ou ma cliente, je vous demande donc de remplir ce formulaire que vous trouverez, que vous avez, il me semble, déjà en barre d'infos sur cette vidéo, mais que vous trouverez également sur l'article de blog, à la fin de l'article, concernant le live d'aujourd'hui. Voilà, vous avez toutes les infos, j'espère que ça vous plaît, et puis voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreux à me demander ce catalogue. Vous allez voir, c'est une petite merveille, vous ne pourrez pas faire autrement que de craquer, j'en suis certaine. Aujourd'hui, donc, je vous disais, je vous ai prévu de faire une petite carte chevalet diagonale qui en elle-même est d'une simplicité déconcertante. Les ultra débutants pourront la faire sans aucune difficulté. Et du coup, en vous disant ça, j'étais en train de me dire oui, même les enfants peuvent les faire. Donc, ça peut être aussi très sympa, un moment à partager. Vous pouvez mettre ça aussi de côté pour le faire cet été, par exemple, pour occuper les enfants, pourquoi pas. Ok, et puis du coup, eh bien, ça va être l'occasion de vous montrer deux, trois petites techniques, etc., de vous parler de deux produits que j'adore particulièrement et qu'on ne voit pas souvent. Ah, on a la page 30, on a la page 25. Non, 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 on ne va pas craquer. Oh, Nadine, attends un peu d'avoir le catalogue, tu vas voir, on en reparlera. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le mini-catalogue, vous le savez, c'est automne, Halloween et Noël. Qu'est-ce que vous attendez le plus pour vous? C'est plus les collections d'automne, la fête d'Halloween ou Noël, ou les deux ou trois d'ailleurs. Ça me ferait plaisir de savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pendant que je continue et qu'on démarre donc ce live créatif. T'as vu Sandrine? Ouais, je suis d'accord, hein, pas sûr que vous craquiez pas. Hein. Bonjour Catherine, comment ça va? Jay, bah oui, l'automne, hein, évidemment. Ticia, les trois. Noël, si c'est pas rouge, Sandrine. Ah, on en reparlera. Virginie, Noël, ouais, ouais, je sais. Bah ouais. Mais vous serez pas déçus, hein. Croyez-moi, vous ne serez pas du tout déçus. Les automne et Noël pour Monique, pareil pour Héloïse. Halloween et Noël pour Fabienne. Ouais, vous allez voir, c'est top. Ah, je suis contente. J'ai hâte que vous découvriez tout ça, vous aussi. Vous allez voir, ça va être super. Alors, la fameuse carte diagonale, je vous disais, elle est très simple. Voilà, très très simple. Hop, quand elle se replie. Alors, attendez, hop. Dans le bon sens. Hop là, c'est magnifique. Et on l'ouvre. Voilà, donc très très simple. En fait, tout. Oui, c'est pas mal aussi. Merci ma Sandrine, je suis contente que ça te plaise. Alors, hop, je vais retourner tout de suite. Enfin, vous basculez les caméras. Voilà, comme ça. Oups, c'est pas droit ça. Voilà, c'est parfait comme ça. Normalement, vous voyez bien. Merci Monique. Merci Cathy. Je suis contente que ça vous plaise. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Vous m'en direz des nouvelles après. Ok? Comme d'habitude, vous le savez, je vais donc vous afficher à l'écran les mesures pour les papiers de cette carte. Ah, merci Laurence, je suis contente. Un peu trouble, bah écoute là pour le coup, je peux pas faire grand chose, je suis désolée, c'est peut-être ta connexion ma belle. Peut-être, pourtant t'as pas bu, je suis contente. Et allez, c'est reparti, bien. J'ai perdu le fil, oui les mesures, donc vous allez avoir les mesures à l'écran.
Je suis très heureuse que ma petite Sandrine soit de retour avec nous cet après-midi. Elle m'avait manqué ces 15 derniers jours. Donc, elle est là aussi, comme toujours, pour vous aiguiller s'il y a besoin. Et puis, à la fin du live, vous retrouverez donc le replay en vidéo, l'article avec donc les photos, bien sûr, la fiche technique à télécharger, les produits que j'ai utilisés. Voilà, vous aurez tout sous la main après le live pour faire et refaire cette petite carte si elle vous a plu. D'accord? Bien. Alors, pour ce qui est des mesures, les voilà. Elles sont affichées à l'écran en bas à gauche. Ici, vous les avez ici. Donc, je vais les laisser et puis je vous montrerai. Oui, Coco, bah, juste la semaine dernière. Hein. Ça va, ma belle? Il y en a eu plein la semaine dernière et rebelote. Aujourd'hui, donc les mesures, et puis je vais aussi vous montrer le schéma, mais alors c'est pareil, il est tellement simple, vous allez voir que c'est réalisable pour tout le monde. Alors, je vais prendre mes papiers, je vais commencer par vous montrer le combo de couleurs que j'ai utilisé. Donc ici, vous voyez. Celui-là, je vous la montre un peu plus près, la carte. Voilà, avec cette magnifique découpe de pétales manuscrits. Ah, c'est pas grave, t'as le temps de le faire, Jet, t'inquiète. Voilà, hop, vous avez vu comme ça brille. Hop. Vous avez la superbe découpe ici. Là aussi, ça brille. Oh, ça se voit bien en plus. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Oh, la galère, Monique. Ben alors là, bon courage. Hein. Ok. Aujourd'hui, je vais travailler avec un nouveau combo, toujours trois couleurs. Et on va aller dans, encore un peu plus dans les pastels. Alors, je vous l'ai dit. Hein, si vous avez les couleurs Stampin' Up, vous pouvez exactement reproduire la même chose que moi, mais vous pouvez aussi très bien jouer avec les combos de couleurs, avec les couleurs et les marques que vous avez. D'accord? Évidemment, je ne vais pas travailler avec autre chose que Stampin' Up, bien sûr. Voilà le combo que je vais travailler aujourd'hui. Donc, je vous le disais, un petit peu plus pastel, encore un petit peu plus clair. Ok? Donc, nous sommes sur le gris granit. Fraisia en fleurs, donc la nouvelle incolore, et le vert sous l'écume. Voilà, un combo plus clair, plus pastel. Hop, voilà, gris granit, fraisia en fleurs et sous l'écume. Voilà les couleurs avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui, et il en est de même, bien sûr, pour les papiers. Hop, alors, mes découpes sont prêtes. En replay, Mimu, mais oui, bien sûr, ma belle. Bon courage, Corinne. Bon après-midi à toi. Donc. Oh, il n'y a pas de souci. Tu peux faire un autre gris, hein, Laurence. Il n'y a pas de problème. Alors, nous avons. Donc, vous voyez, hein, j'ai pris les mêmes couleurs avec le papier. Nous avons la base de la carte qui mesure 29,7. Donc là, pas compliqué, hein, vous avez votre feuille à 4, c'est nickel. Et sur la largeur qui mesure 10,5. Je vous rappelle, hop, on va faire comme ça, ici, la base de la carte, 10,5 par 29,7. Bonjour Tine Martine, bonjour Jacqueline. Oui, gris granit, ouais. J'ai dit gris souris? Ah, si, c'est le cas, toutes mes excuses. C'est bien gris granit, fraisier en fleurs et sous l'écume. Donc 29,7 par 10,5. Ok. Et je viens simplement faire deux plis sur cette base de carte. Hop, très simple, à la moitié. Donc la moitié de 29,7, c'est environ 14,85. Oui, effectivement, vu comme ça, Laurence. Et je viens, hop, marquer mon pli à 14,85
sur le bord le plus long de ma base de cartes. Donc on se retrouve, voilà, avec la carte pliée en deux. Ok? Ensuite, une fois qu'elle est pliée, nous avons l'avant de la carte ici. Il suffit simplement de venir plier en diagonale sur l'avant de la carte. Donc, soit vous le faites avec un plioir à la main, soit vous utilisez votre coupe-papier. Ici, je viens en fait positionner, donc j'ai ma carte pliée en deux, hein. Je viens la positionner ici, et je viens placer donc l'avant de cette carte, la pointe ici, et je viens rejoindre la base du pli de ma carte. Et je m'assure, hop, de bien viser, et je viens marquer ma diagonale. Ça marche? C'est bon pour vous? Alors, j'ai ma carte pliée en deux, et c'est flou encore, voilà. Et j'ai tracé, j'ai plié une diagonale de la pointe ici à droite de l'avant de ma carte vers la pointe gauche au niveau du pli. Et cela donne ceci. La base de carte, c'est ni plus ni moins que ça. C'est pas magique. Aujourd'hui, pour aller un petit peu plus vite, je ne vais pas faire de découpe ici, mais vous remarquerez que grâce à mon poinçon de découpe coordonné à pétale manuscrit, voilà, j'ai fait une petite découpe très jolie sur la base de ma carte ici. Donc vous pouvez aussi tout à fait le faire également. Sandrine, c'est exactement ça. Maintenant, vous pouvez dire plein de bêtises. Les mesures sont faites, c'est bon, c'est calé. J'aime bien aussi quand c'est simple, comme ça, on peut s'amuser autrement. Pour les autres morceaux de papier. Ici, donc, j'ai repris gris granit qui va me servir donc de papier de matage en couleur numéro 2. Donc, c'est la deuxième ligne sur les mesures, qui mesure 14,3 par 10 cm. Je vais la mettre à l'intérieur de ma carte. Ok? Le morceau de papier blanc qui vient par-dessus, parce qu'il faut avoir de la place hein, pour écrire le petit mot, celui-ci mesure 13,8 par 9,5. D'accord? Donc vous l'avez ici, papier blanc simple. 13,8 par 9,5. Jusque-là, encore une fois, rien de compliqué. Ensuite, pour la déco ici de la diagonale, vous aurez besoin donc d'une troisième couleur. Ici, j'ai pris donc le Freesia en fleurs. Vous savez, c'est la nouvelle Incolor qui viendra se positionner ici. Donc là, nous sommes sur le papier de matage unicouleur 3. Donc, hop, ici, la troisième ligne, 10,8 par 7,5. Ok? Et bien sûr, le morceau de papier blanc qui viendra lui par-dessus, qui mesure 10,3 par 7 cm. Encore une fois, ici, vous avez la mesure pour le papier blanc. Ok, c'est bon pour vous? Je vous conseille de vous munir d'un papier brouillon. Vous allez voir pourquoi ça vous sera très utile. Ensuite, j'ai repris les mêmes découpes pour ma deuxième carte. Donc ici, la découpe du superbe set de tampons pétale manuscrit qui est coordonné à la collection Croquis du Jardin. Donc nous avons les tampons et évidemment les découpes qui sont coordonnées. Donc j'ai réutilisé la même découpe que j'ai déjà préparée bien sûr. Hop, ici donc en blanc et en freesia en fleurs. Vous avez vu comme elle est belle cette découpe. Elle est magnifique, j'adore.
Ça vous plaît? Je vous ai perdu. Je vois plus vos commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me faire vos commentaires sur ce que je suis en train de vous montrer et à poser des questions, surtout si vous en avez. Donc ça, ça sera ma découpe qui viendra... Oh, c'est d'or. Qui viendra, hop, se mettre ici. Mais avant, on va venir décorer ce papier blanc et potentiellement l'avant de cette carte avec une technique que je vous ai déjà montrée il y a quelques temps, qui s'agit en fait, dont il s'agit, du coup, du tamponnage ici sur le papier uni. Attendez que je zoome, mais avec de la Versamark. Donc ça permet de décorer notre papier uni sans que ça prenne toute la place visuellement sur la globalité de la carte. Alors, on va plus se focaliser sur la découpe par exemple et sur la partie centrale, mais quand même avec une petite déco autour pour que ce soit moins tristouné. Voilà. Alors, eh bien, vous savez quoi? Je vais... Hop, déjà coller ça, ça sera fait. Vous pouvez également le faire, coller votre papier blanc sur le papier de matage. Voilà, ça, ça sera fait, on pourra le mettre de côté. Toc. Et on va venir le mettre ici, à l'intérieur de la carte. Ça marche, je vois plein de petits cœurs, je vois plein de petits pouces qui se balade. Mais je vois plus vos commentaires. Un peu là. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir le mettre de côté. Je vais donc venir donner un petit peu de couleur et de motif à ce dessus de carte. Et voilà, tous ces petits cœurs, quel bonheur. Je prends la Versamark. Je reprends donc, hop, mes tamponnages. Je vais prendre la petite feuille. Voilà, je prends mes petits blocs. Et je viens simplement tamponner donc sur l'avant de ma carte. Pour ne pas déborder sur la partie arrière de la carte, je viens positionner mon brouillon juste comme ça. Vous me faites trop rire avec vos petits cœurs. J'adore. Et je viens donc, hop, tremper mon tampon dans la Versamark et je viens les disperser un petit peu partout sur ma carte. Et vous verrez qu'en fait, ça va sécher, ça va ressortir et du coup, ça sera très joli. Bonjour Magali! Voilà, je tamponne un petit peu partout. Maintenant, c'est des smileys qui rigolent. Je vois qu'il y en a qui s'amusent. Voilà, je disperse un peu ces tamponnages un petit peu partout. Hop, avec la Versamark. Elle va sécher et donc aucun souci ensuite. Ça ne bougera pas. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un petit bout ici. Je vais mettre quelques petites feuilles. Je vous jure, vous me faites trop rire. Je disperse quelques feuilles un petit peu partout. Voilà. Hop. C'est juste pour donner un petit côté sympa au papier uni. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas cette technique? Ceux qui me suivent régulièrement l'ont découverte il n'y a pas très longtemps. Mais peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Dites-le-moi. Voilà. Et voilà. Après, on y va un petit peu plus si on veut. On rajoute plus de motifs si on veut. Là, vraiment, on se fait plaisir. Où est-ce que je vais en mettre une petite là. Et voilà, ça c'est fait. Ça marche, c'est bon? Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, voilà, on commence à avoir
les motifs qui apparaissent très légèrement. C'est un peu flou, je vous prie de m'excuser. Mais voilà, vous les devinez quand même. Je le mets de côté quelques secondes. Non, ça va très très vite pour sécher, donc pas de souci. Et je vais maintenant m'attaquer donc au morceau de papier blanc qui va venir décorer ici l'avant de la carte. Et j'espère que vous le voyez à l'écran, vous voyez, c'est colorisé uniquement sur une diagonale. Et puis il y a également des tamponnages. Donc, je reprends les deux mêmes tampons que j'ai pris tout à l'heure. Je vais prendre mon Freesia, hop, ici. Je vais prendre mon sous l'écume. Cathy, je vois que tu te marres bien, ma belle. Hein, ah, Monique aussi. Le sous l'écume, le Freesia en fleurs, voilà. Hop, et avant toute chose, je vais... Vous allez voir... positionner mon papier de manière à ce que la diagonale se forme. Donc je viens mettre un cache avec mon brouillon. De pointe à pointe. Voilà. Hop, je vais prendre un petit morceau de masking tape pour être tranquille. Je vérifie que c'est bon, là c'est pas tout à fait droit. Là, ça va le faire. Je vais faire tenir ici mon papier pour être sûr. Voilà, une nouvelle vérification pour être sûr que ici ma diagonale est bien formée avec mon brouillon. Voilà. Une petite sécurité de plus pour être tranquille. Et maintenant, je viens dans un premier temps tamponner mes motifs hop, sur la diagonale ici de ma carte. Soit on y va franchement, soit on y va en deuxième génération, c'est-à-dire on tamponne dans notre pas dedans, on en dépose une grosse partie sur le brouillon et on vient seulement ensuite le déposer sur le papier, du coup ça fait beaucoup plus clair. Là, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Hop, voilà. Je l'ai fait dans le vert. Ça m'arrive souvent ça. Je me trompe de pad. Un petit bout ici et maintenant je vais partir sur le vert. Alors le sous l'écume est très très clair, vous allez voir, vous voyez comment il apparaît comme ça. Hop. Donc là pareil, je vais disperser quelques petites fleurs vertes juste pour décorer un petit peu cette fameuse diagonale. Et du coup, avec le brouillon, ce sera nickel. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça, ça a bougé un petit peu, ça m'agace. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre mon doigt éponge et je vais venir mettre un petit peu donc de Freesia en fleurs pour ombrer un petit peu cette partie de carte. Donc je prends mon doigt éponge, je le trempe dans mon pad, je tiens bien mon papier et j'y vais tranquillement avec plus ou moins d'intensité selon ce que je veux voir apparaître sur ma carte. On maintient bien hein, le papier brouillon, sinon il risque de se sauver. Voilà, hop, et on disperse cette encre. Pour lui donner
un petit peu de couleur. Voilà, ça c'est fait. Et vous voyez, hop, on a une diagonale faite maison, trop jolie. Alors, Masking Tape a décidé de rester avec moi. Voilà ce que ça donne. Donc on a bien la délimitation qui est faite avec la colorisation, avec le brouillon. Ok, ça c'est nickel. Maintenant, bah, il me faut un petit sentiment ici et il me faut également ma découpe. Donc je vais venir la positionner pour voir à peu près comment je veux qu'elle apparaisse. Je vais également me rendre compte par rapport... Ok. Alors, vous savez quoi? Juste deux secondes. Je vais me déconnecter de là parce que je ne vois toujours pas vos commentaires et c'est assez frustrant. J'ai encore l'impression d'être toute seule et c'est pas drôle. Alors, bougez pas. Je me reconnecte ici sur mon téléphone. Voilà. Ah, bah oui, effectivement, je crois que j'en ai raté beaucoup. Alors, j'ai raté plein de commentaires. Bon. J'espère que maintenant, ils vont pouvoir se réafficher. Mais du coup, si vous pouvez au moins échanger entre vous, c'est essentiel. Je suis désolée. Alors, j'en étais à mon sentiment que je vais inclure ici. Donc... Il m'en manque des bouts, hein, les amis, je vous promets. je vais rester sur le merci parce que je le trouve très joli. Voilà. Et je vais venir le tamponner. Même principe ici. Et par contre, je vais le tamponner en noir. Chut, elle est revenue. Dis donc, chipie. Oui, je suis revenue. Bah, j'en ai vu qu'un marabout, ça me suffit bien, je te le dis. C'était pas en noir que je voulais mettre, c'était en Frésia. Retrouvons notre sérieux, la maîtresse est revenue. Oui, faites attention, elle peut vous donner des lignes à copier. Oui, je peux le faire. Une copie à rendre dans une heure. Hop. Et intellectuellement stimulant, mais ça je n'en doute pas. Allez, hop, je viens tamponner mon petit message. Oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé plein de smileys, Cathy. J'adore. Voilà, le merci très léger, tout en douceur avec ce fraisier magnifique. J'adore. Alors, oui, tout à fait, Chantal. Bonjour, Chantal. Même pas peur, tonton. Elle est où? En fait, sur les poinçons, vous avez donc le poinçon qui fait le contour et vous avez la découpe. Donc, le contour ici est bien en frésia et la découpe fleur est découpée en blanc simple. Voilà. Ok, je vais venir... coller ma découpe, mais avant ça je vais vous montrer le produit parce que regardez de rien Chantal, je ne sais pas si vous voyez bien mais on a bien l'impression qu'il y a quelque chose là dedans. Est-ce que vous le voyez dans mes fleurs? Ça brille, hein? Eh bien, ne bougez pas, je vous montre tout de suite comment j'ai fait ça. C'est simplement avec ce petit tube qui s'appelle Crystal Effect étincelant. C'est liquide. Oui! Voilà, c'est un tube qui se présente comme ceci. Regardez la pointe. C'est là que je peux zoomer. Voilà. Le Crystal Effect. Et du coup... Et non, c'est pas le Wink of Stella, c'est le Crystal Effect.
Et en fait, ce Crystal Effect, je m'en suis servi tout simplement pour remplir l'intérieur de mes fleurs. Du coup, ça lui donne un effet lustré brillant qui est juste magnifique. Vous avez vu sur l'autre carte comme c'est joli, moi j'adore. Et je trouve ça très sympa. Hop. Donc, il faut en mettre une certaine couche délicatement. Voilà, ça me permet de remplir les découpes et de lui donner un petit côté différent et brillant. Donc, on secoue le tube et puis on vient appuyer tranquillement pour remplir les trous. Avec plaisir, Patricia. Et je viens, voilà, combler l'intérieur de ma découpe pour lui donner ce petit côté brillant. Donc, comme c'est assez épais, vous vous en doutez, ça met quelques petites minutes à sécher. D'accord? Donc, faites attention quand vous l'utilisez. Voilà. C'est un petit peu laborieux, mais rien d'infaisable. Voilà, je le dépose. Oui, ça brille, Monique, tu as vu? C'est joli, hein? Hop. Voilà, un petit peu là. Hop là. Donc, du coup, on en fait sortir quelques. Un petit peu partout. On l'étale tranquillement. Voilà, on se sert de la pointe pour étaler. Vous pouvez aussi prendre une petite aiguille si vous voulez vous aider à l'étaler un peu partout. La wishlist n'est pas prête de se vider? Ouais, bah oui, je sais bien. Rassurez-vous, j'ai le même problème. Voilà. Donc voilà, vous avez, j'en suis sûre, compris le principe. Hop, j'essaie d'avancer un petit peu plus vite. Alors, mais en attendant, dites-moi, est-ce que vous connaissiez déjà tous ce fameux Crystal Effect? Coucou Aude! J'aurais pu l'enlever de là, ça aurait été plus pratique. Et là, je vais remplir la grande fleur. Hop, voilà. Et hop là. Du coup, ça fait super joli. Vous pouvez même, si vous le voulez, mais assez rapidement, ajouter un petit peu de poudre de paillettes, par exemple. Si vous voulez donner un côté encore plus brillant. Bon, faut y aller hein, sur le tube. Ça vous muscle le pouce. Du coup, il y a de grandes chances que le mien de pouce se remette à trembler tout seul tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Hop. Déjà, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais ça commence déjà à prendre forme. Et ça donne un effet très différent à la découpe. Je trouve ça vraiment très sympa. Je crois que j'ai de nouveau perdu vos commentaires. C'est usant. Hop. On étale tranquille. Voilà. Ça va se lisser après tout seul en séchant. Il faut juste bien s'assurer d'en avoir mis partout et d'avoir bien comblé les trous. Et voilà, ça recommence. Allez, hop, je recommence la connexion. Ça va venir. Je suis désolée, mais l'essentiel c'est que vous ne m'ayez pas perdu. Ah bah voilà. Oui, par moment je perds vos commentaires, là j'ai plus rien. Hop. Allez, je fais la dernière ici.
On y va méticuleusement pour éviter de faire des gros pâtés. Youpla! Du coup, avec les découpes de la feuille, à des moments, on dirait un visage. Parfois, on se fait des délires comme ça. On aperçoit des formes. Hop, le dernier petit bout là. Hop, j'ai fait que les petites fleurs. Je ne remplis pas les feuilles. Voilà. Et voilà. Bougez pas, je vous montre ça. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore sec. Donc c'est pas encore super bien étalé. Mais vous avez déjà une idée. Vous voyez, ça commence à briller. C'est très sympa. Ça vous plaît? Je vais en remettre un peu là, parce que du coup, c'est pas très joli. C'est pas comblé. Voilà. Hop. Là. Là, j'ai un petit trou aussi, au coquin. Ça muscle, hein, je vous assure que ça muscle. Là. Voilà. Ticia, ça te plaît? Bon, super, ça me fait plaisir. Allez, je viens coller donc ce morceau de papier sur le matage ici. Hop, tout simplement, maintenant qu'il est bien décoré, c'est super. Là, on est vraiment dans des tons plus douces, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc on fait bien attention en manipulant donc cette découpe quand on l'a remplie du Crystal Effect. Hop. Je vais venir ici donc coller donc soit avec des dimensionnels, soit avec de la colle. Hop, la partie inférieure. Voilà. Et pour que ce soit encore plus joli, je m'assure déjà de centrer au maximum et de faire coïncider la diagonale avec le pli de ma base de carte. Ainsi, ce sera beaucoup plus joli lorsque l'on va l'ouvrir. Ok. Voilà. Tant que ça continue de sécher, je vais prendre les découpes que j'ai faites toujours dans Frésia en fleurs et dans le papier sous l'écume pour les feuilles. Voilà. Donc je vais m'en servir tout simplement pour venir retenir mon chevalet ici à l'intérieur en bas. Hop. Voilà. Donc, je vais positionner ces petites feuilles ici. Voilà. Et je vais venir coller. Oh, j'adore le mélange des couleurs. Et je viens coller. Donc, la petite fleur ici, je vais prendre la plus grande. Voilà, ça va venir se positionner comme ceci. Et du coup, oula, ma fleur va retenir, hop, mon chevalet comme ceci. Donc, je viens coller. Voilà, les petites touches de colle. Ces découpes, c'est pareil, ça fait partie de la collection croquis du jardin. C'est trop beau! Tu es assez d'accord, Sandrine. Bon, déjà, vous savez que vous avez la livraison à vous faire demain, donc du coup, vous pouvez vous faire un petit peu plus plaisir si votre wishlist a encore augmenté. Ok, et je viens juste mettre un peu de colle, mais sur le bas de ma fleur, parce que je ne veux pas qu'elle soit totalement à plat, puisqu'elle va retenir mon chevalet. Voilà, et je viens coller la dernière petite fleur juste en dessous.
Il me reste largement assez de place pour pouvoir écrire mon petit mot ici sans problème. Ton panier est prêt pour demain. Ah oui, Monique, va falloir effectivement changer peut-être d'organisation. Hein. Hop, voilà, regardez. Et voilà. Maintenant, il me reste, hop là, à coller ma découpe. Cette fois, elle, je vais la coller avec les dimensionnels. Uniquement sur le bas ou pas, hein, vous verrez. Voilà, donc elle va venir ici. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'adore ce combo de couleurs. Hop. Allez, je viens poser les dimensionnels. Ils collent, hein, les dimensionnels. Il n'y a aucun problème. Donc, ça vient comme ça. Je vais mettre un autre ici. Et puis un autre là. Voilà. Hop. Là. Merci Patricia, c'est trop gentil. Ok, et je viens. Oups, c'est collé à mon doigt, ça va pas le faire. Je m'assure de bien voir mon sentiment, hein. Ça serait dommage qu'il soit caché. Voilà, je peux même faire dépasser un petit peu. Aucun problème. Voilà. Et la petite touche finale que j'avais également faite sur cette carte-ci, c'est toujours, encore et toujours. Coucou Gaëlle, ça va ma belle? Le Wink of Stella que je viens déposer sur cette petite découpe ici pour lui donner à elle aussi un petit côté brillant dont j'ai beaucoup de mal à me passer. Et encore, on n'est pas arrivé à Noël, donc je vous dis pas à quel point, du coup, j'adore ce petit pinceau à réservoir de paillettes. Voilà. Mon petit côté brillant. Et une petite touche aussi sur les feuilles. Ça fait pas mal, ça fait du bien, je trouve, aux yeux. Et voilà. Gros bisous, Héloïse. Merci, ma belle. Merci Marcel. Ah, c'est cool. Gaëlle, t'arrives à la fin. Bah ouais, je suis désolée, ma belle. Tu verras le replay. Oh, merci Monique, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc voilà, cette deuxième version. Beaucoup plus douce. Il me manque mes petits embellissements. Hein. Ça, c'est le truc dont j'ai du mal à me passer. Juste que je les attrape. Ils sont cachés. Ici. Merci Marianne, bon après-midi. Je crois que c'est mes préférés ceux-là, les cristaux du Rhin. Je crois que c'est ceux que je préfère parmi tous. Voilà. Hop, 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 c'est parti. Une petite touche ici. Une petite touche là aussi. Et puis une au niveau de sous l'écume. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux comme ça. Alors, ça c'était donc la première. Voilà. Et nous avons maintenant la deuxième version. Fraisia en fleurs, sous l'écume, gris granit. Beaucoup plus légère. Avec le Crystal Effect. Le Wink of Stella pour faire briller la petite découpe. Est-ce que vous voyez le brillant? Voilà, voilà pour cette deuxième version. Merci, maman. Voilà, vous avez les deux cartes. Donc, vous voyez, très, très simple. Une carte encore plus douce que la première. Ouais, je suis d'accord avec ce combo. Je trouve que c'est assez sympa. Jérôme, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, on arrive déjà à la fin de ce live. J'ai pas vu l'heure passer.
J'ai passé un très bon moment, malgré ces quelques petits bugs de commentaires, mais a priori, vous avez pu vous faire plaisir, donc c'est l'essentiel pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je préviens la seconde version toute douce. Merci Carole, avec plaisir. Ouais, c'est vraiment super. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, Evelyne, c'est déjà fini. Je suis d'accord. J'ai pas vu l'heure passer. Voilà. Une heure comme ça. Incroyable. Ça passe à une vitesse folle. Folle. Mais ça veut dire qu'on a passé un bon moment. Donc, je trouve ça plutôt positif. Je vous rappelle juste avant de vous quitter. Et je vous montre un petit aperçu vite fait. Attention, ça va rester quelques secondes. Le voilà, c'est celui-là. Hop là. Donc vous avez dans la vidéo le lien pour vous connecter au formulaire si vous n'êtes pas ma cliente ou mon client et si vous n'avez pas encore de démonstratrice attitrée, vous pouvez compléter le formulaire. Et par contre, si vous êtes déjà ma cliente et que vous m'avez passé une commande depuis le 1er janvier, pas la peine de le remplir, il arrivera au mois de juillet, pas d'inquiétude. Ok? Merci Muriel, merci Coco. N'oubliez pas la livraison offerte demain, alors dès ce soir 23h jusqu'à demain minuit, d'accord? Assurez-vous bien que dans votre panier, vous avez bien atteint les 40 euros et que c'est bien affiché que les frais de port sont offerts. Alors, parfois, il y a peut-être des bugs techniques, donc vérifiez bien tout tranquillement, ok? Ah, Monique, ben oui, il fallait que vous ayez un aperçu quand même. Et puis toujours les mini-kits et embellissements et rubans, les inscriptions jusqu'au 2 juillet. Merci Kiki, ouais, c'est magnifique, hein. J'adore ces tons-là aussi. Voilà, vous avez tous les liens dans la vidéo et vous allez tout retrouver également sur l'article de blog qui arrivera d'ici quelques minutes avec le replay, la fiche technique et la liste du matériel utilisé aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été encore présents cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et oui, Cathy, qu'est-ce qu'il y a? Harmonie! Comment ça, t'as pas vu? Mais j'ai envoyé une newsletter, il y a l'article sur mon blog, il y a sur Facebook, il y avait en story. Qu'est-ce que tu fais, Cathy? Il y a le lien là dans la vidéo, tu peux l'avoir. Ok? Et puis inscris-toi au blog, peut-être que tu recevras un peu mieux les articles du blog. Ok? Allez, passez une très très bonne après-midi, prenez soin de vous et à très très vite pour nos prochaines aventures. Je vous embrasse. Ciao!